Dans mes précédentes vidéos, j'ai oublié de vous parler des petits fruits parce qu'on récolte quand même des petits fruits depuis quelques temps, notamment les cassis. Là, c'est la fin des cassis, on en a déjà récolté plus d'un kilo et j'ai oublié de vous en parler. Bon, bah. Mais là, voilà, là, c'est la dernière récolte des cassis et on a commencé les récoltes de groseilles et de myrtilles. Alors, sachant que mes myrtilliers sont malades et je pense vont bientôt rendre l'âme, je vais devoir acheter des plants. Bon, c'est pas grave, je verrai ça l'année prochaine. Je verrai ça peut-être même en automne. Alors aujourd'hui, j'ai coupé les pois capucines parce qu'ils étaient tous jaunes. Et quand ils commencent à jaunir comme ça, c'est que toute la sève, tous les nutriments sont descendus dans les nodules au niveau des racines et fixent l'azote donc dans le sol. Et je les coupe à peu près à, on va dire 50 cm, 60 cm, 50-60, et je les laisse encore bien sécher jusqu'à ce que la tige soit complètement sèche. Et après, je coupe au niveau juste au-dessus du sol, hein, pour enlever les tiges défleuries, mais je laisse les nodules à l'intérieur et ils vont continuer à amender un petit peu le sol. Et en plus, il y a des micro-organismes à l'intérieur, des mycorhizes et tout ça qui ont des informations très importantes pour les autres plantes qui viennent après. Donc voilà, la synergie entre les plants, c'est quand même formidable. La nature est bien faite. Donc voilà. Et puis là, j'ai fait ça parce que déjà, il y a plus de petits pois, mais aussi pour faire de la lumière au niveau de mes cucurbitacées, je vais y arriver, potirons, courges, etc., que je vais faire grimper à la place. Alors j'ai récolté quand même un bon petit panier de petits pois que je vais écosser et congeler. Et puis j'ai tous les jours à peu près une petite panière comme ça de pois mange-tout. Donc c'est très bien parce que je pensais vraiment pas pouvoir faire des réserves pour l'hiver. Et puis finalement, je peux en faire un petit peu. Donc c'est très bien. D'ailleurs, en parlant des mange-tout, eh bien les mange-tout commencent aussi à jaunir. Donc dès qu'ils vont être à peu près comme ça, sur plus de la moitié de la haie, on va dire ça comme ça, de la ligne, eh bien je ferai comme les petits pois, je les couperai de la même manière et ça laissera de la place aux courges qui poussent déjà bien. Après ça va être assez fastidieux à enlever les tiges de... parce que ça s'accroche avec des vrilles, hein. Tout s'accroche avec des vrilles, que ce soit les pois mange-tout ou les potimarrons, les potirons, les courges, etc. Donc il va falloir bien faire attention à pas casser les tiges de ces petites choses-là. Donc ça, c'est le problème quand on a une saison qui n'est pas forcément très bien marquée. Voilà, il y a malheureusement deux cultures, les cultures d'été et les cultures de printemps qui se chevauchent. Et c'est pas forcément l'idéal. Mais bon, moi ça me va, j'adore ce genre de température et j'adore ce temps parce qu'il fait pas très chaud et ça permet de bien respirer, il y a de la pluie pour arroser, j'ai pas besoin d'arroser, ça c'est cool. Alors je voulais vous montrer les floraisons de cacahuètes, on dirait des petits genêts, c'est marrant. Regardez, c'est beau, vraiment mignon comme petite fleur. Je retente les boutures de myrtillier, sachant que mes pliers ne sont pas très en forme et du coup ne font pas beaucoup de branches à bouturer. Donc là, c'est des jeunes pousses vertes et elles sont pas ligneuses. Donc bon, normalement les pousses ligneuses, on commence les bouturages plutôt en août.
Et là, c'est vrai que c'est le dernier moment pour faire cela. Donc on verra. Pour l'instant, j'essaye. Et puis si jamais je vois que ça ne fonctionne toujours pas, ben, j'achèterai des pieds, c'est pas grave. Alors j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur l'été arrive enfin. Et bien là, c'est plutôt l'automne. Ça fait une semaine qu'on a allez, 20 degrés grand max, pas beaucoup de soleil. Donc j'ai décidé de retirer le voile d'ombrage parce que la semaine prochaine, il pleut. Donc il fait peut-être un tout petit peu plus chaud, mais il pleut, donc il va pas, ça va pas y avoir beaucoup de soleil. Je pense qu'il est préférable de le retirer parce que même s'il y a des températures qui sont en hausse et qui peuvent faire augmenter la température dans la serre, la luminosité en revanche, elle manque cruellement et ça risque de causer des gros dégâts dans mes semis. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que les choux, on les voit direct. Voilà, ça monte très très vite, donc c'est pas bon. Il faut absolument avoir plus de luminosité. En revanche, je laisse les protections sur le potager parce que comme il va y avoir beaucoup de pluie, ça peut permettre à ce que ça soit beaucoup moins dangereux pour mes plants, surtout s'il y a de la grêle ou je ne sais quoi. Donc ça va quand même faire une petite protection.
Alors, je vous avais promis une vidéo sur le jardin des cinq sens, comment je l'ai conçu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jardin qui est très vieux, puisque c'est un des premiers que j'ai conçu quand on est arrivé ici. Et c'est vrai que il y a beaucoup de plantes qui ont disparu, soit parce qu'ils ont été mangés, soit parce qu'ils ont chopé la maladie. Et du coup, il n'est pas vraiment comme je le souhaiterais. Et j'ai envie de le revoir. Donc, je me suis dit, je vais peut-être pas faire la vidéo tout de suite, et je vais faire une vidéo complète de comment je conçois en général un jardin. Là, ça va être le jardin des cinq sens, mais ça peut être transporté dans toutes sortes de jardins, et montrer le pas à pas dans une vidéo justement consacrée à ça. Alors, je sais, c'est pas du potager, certains vont certainement pas apprécier, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a quand même certains d'entre vous qui aiment autre chose que le potager, donc je ferai ce genre de vidéo. Par contre, ça ne sera pas cette année parce qu'il me faut quand même un peu de temps, hein. Voilà, je vais filmer tout ce qui a trait à ça, à cette conception, à ce réaménagement, et je ferai une vidéo l'année prochaine qui va condenser justement la totalité de ce jardin. Alors aujourd'hui, je vais faire des semis de haricots pour mettre sur la structure à la place des petits pois, mélangés avec les potirons, les courges, etc. C'est pas grave, ça va même les maintenir. Je vais également refaire des semis de courgettes pour la fin de saison, hein, quand les autres auront un petit peu pris la maladie et végéteront un petit peu, ben hop, je mettrai les autres dans le jardin. Et le concombre également, parce qu'on a beaucoup de concombres, mais le problème c'est que ça arrive très vite les maladies, hein, surtout avec le temps qu'on a. Donc du coup, je vais faire aussi des concombres dont les graines se terminent cette année. Et comme ça, ben, j'aurai un peu plus de récolte et je vais pouvoir faire des réserves pour l'hiver. J'ai terminé les semis. Alors, je vous ai montré comment je faisais pour toutes sortes de semis, hein. Je fais en général les grosses graines de cette manière-là. Donc là, c'est les haricots aram blancs de juillet. Donc j'en ai fait 8 pour aller entre les plants de courges ou potirons. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-bas, mais je pense que c'est des courges principalement. Ensuite, ici, j'ai des courgettes de Nice. Donc, j'ai deux graines par godet et les courgettes jaunes. Donc, j'espère avoir au moins un plant par godet. Là, genovaise, courgette genovaise. Là, j'ai mis plusieurs graines parce que, vous le savez, ça ne pousse pas vraiment, ces graines-là. Et d'ailleurs, j'ai peut-être pas signalé, mais en fait, le fournisseur m'a fourni deux paquets de graines parce que je pense qu'ils savaient déjà que les graines n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Donc c'est pour ça que j'en ai semé plusieurs dans un godet assez gros. Ici, c'est les longs verts de Chine. Donc je vais faire que cette variété en deuxième semis, hein, de l'année. Je voulais finir mon paquet puisqu'il finissait fin 2024. Donc je me suis dit, je vais faire toute la même variété. Ce n'est pas très grave et en plus, ils sont assez gros pour pouvoir faire de bonnes congélations pour les soupes. Maintenant, je vais essayer de trouver de la place pour mes maïs, popcorn et doux. Hein. Je pense que je vais les mettre pareil à la place des petits pois. Je vais vous montrer. Alors voilà, là c'était la place des petits pois, on les voit encore. Je vais ratiboiser un petit peu plus bas, à 10 cm du sol, pour que ça fasse propre quand même et que je vois bien mes plants à arroser. Surtout que je ne suis pas la seule à m'occuper des arrosages, donc pour que Cyril voit bien ce que j'ai fait, je vais couper à 10 cm. Je vais essayer de faire grimper toutes mes courges sur le grillage. Entre, je vais donc mettre les fameux haricots blancs de juillet, aram. Et ici, il y avait des plants normalement de... Bon, il y en a quelques-uns de... betteraves, mais les autres n'ont pas poussé, et puis ceux que j'ai fait en mini-motte n'ont pas forcément poussé non plus. Donc là, je vais tout nettoyer, je vais garder donc les plants qui restent évidemment de betteraves, mais je vais tout faire propre et je vais mettre une ligne donc de maïs.
justement, on m'a posé la question, est-ce que tu pourrais exprimer un petit peu plus le côté spirituel du jardin? Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à exprimer les choses par des mots. J'ai souvent pas du tout les bons mots. Voilà, vous voyez déjà là, je bloque complètement. C'est compliqué de parler devant une caméra. Il faut pas. Voilà, je suis assez pudique sur justement tout ce qui est un peu hors cartésien, voilà, hors choses qu'on peut toucher, palper, etc. Parce que je sais que dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont un petit peu moquées de moi parce que justement j'étais un peu trop perchée. Donc maintenant, j'ai tendance à plus forcément partager ce que je ressens au plus profond de moi. Et pourtant, je ne vis que comme ça, que par les intuitions. Et c'est pour ça que dans cette optique potager, chaîne potager, j'aime pas vraiment quand on dit aux gens il faut faire ci, il faut faire ça, d'essayer d'aller chercher le pourquoi du comment, alors la terre, le pH, l'azote, etc. C'est très très loin de ma philosophie déjà de vie et aussi au niveau potager. Moi j'essaye de ressentir les besoins de chaque végétaux, de chaque animal, que ça soit insecte ou autre, ou mammifère. Donc c'est très compliqué de mettre des mots. À la limite, je peux répondre à des questions. Donc si vous avez des questions, posez-les moi et je pourrais essayer de trouver les mots par écrit. Ce sera plus simple pour moi. Mais c'est vrai qu'en vidéo, vous allez peut-être avoir un aperçu dans la vidéo justement de la conception du jardin des cinq sens, parce que justement la conception n'est faite que comme ça, par les intuitions, les ressentis de l'endroit où je vais poser les choses. C'est un travail méditatif plus qu'un travail concret en fait, et beaucoup de personnes voient les choses de la nature de façon trop concrète, et moi je suis vraiment en dehors de ça. J'ai vraiment pas de mots pour expliquer que les choses qu'on voit, la nature, etc. Il y a des choses qu'on ressent, les énergies, on appelle ça souvent des énergies, mais c'est un mot un peu fourre-tout que je n'aime pas forcément beaucoup. Je l'emploie énormément, mais parce que je pense que sinon on ne comprendrait pas, mais c'est pas bien au-delà de ça. Et c'est vrai que c'est complexe à exprimer. Il n'y a pas la même énergie sur chaque plante. Les plantes qu'on a dans notre jardin, qu'on a implantées chez nous, ont une énergie particulière, très différente des énergies que peut donner une zone sauvage créée uniquement par la nature. C'est pareil pour le potager. Le potager, on a beaucoup de problèmes de maladies, de parasites, etc. parce que c'est nous qui importons des plants dans un endroit. Et soit on tombe bien dans le bon endroit et ça marche super bien, on n'a pas de maladie, pas de parasites, pas de rien, soit on s'est un peu trompé et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas non plus, et du coup c'est la catastrophe. Donc voilà, et c'est très complexe. La nature n'est pas juste il faut ça, il faut ça, il faut ça. Non, c'est très 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 complexe. On est loin de savoir tout, et moi personnellement je ne veux rien savoir, je veux juste ressentir. Le savoir c'est bien, mais le ressenti c'est beaucoup mieux. Et c'est comme ça que je vis dans ma vie de tous les jours. Alors c'est vrai, quand on va me poser une question un peu trop complexe, un peu trop technique, j'aurai pas de réponse.